dimanche matin, dimanche 29 janvier. Timmy est réveillé, on fait un gros dodo. On est très fatigué, hein. très fatigué. On a marché, j'ai pas checké, mais au moins plus de 10 km. Et donc aujourd'hui, on va se la jouer un peu plus calme. Et là, on a commandé le bon matin. On a démarré avec un petit café local. Le bar du coin. On a pris un petit déj classique avec des œufs. Titi a déjà déjeuné. Et tout à l'heure, on va faire notre petit tour de tram. Aujourd'hui, on va le faire, puis on l'a pas fait. Ouais. Et puis ce soir, on va aller voir le feu d'artifice vers 8h. On va aller manger au night market aussi. Et au night market, on va goûter les plats locaux. Des antiquaires. Chang Ching Ki. C'est très très proche de notre hôtel. C'est dans la même rue. C'est vraiment beau. C'est beau, hein? Voilà Titi, on vient de là. C'est la première fois qu'on rentrait dans un temple chinois. Bouddhiste. Mmh. Ils ont tous fait des offrandes. T'as vu, c'était beau, il y avait du feu partout. Ça t'a plu? C'est bien, hein? Dis oui, papa. Mais faut respecter, hein? C'est pas notre culture, mais faut respecter, hein? Il y avait de l'encens partout. Il y avait de l'encens, ça sentait de la fumée. Hein, on aura appelé le tonton, les pompiers. On serait venu éteindre le feu. Allez! Un bisou, au revoir Titi. Le plus important de la journée, l'heure de manger. Et donc on a trouvé notre petit resto local nouilles, je sais pas si vous voyez bien, le Mac Noodles, avec un gros bol de nouilles typique. Bon, on fera bien l'affaire pour midi. Et puis voilà, c'est parti. Voilà le menu. Donc tu prends quoi, Douce? Ah mince, bon ça va. Heureusement on n'est pas vraiment en Chine. Tu donnes un peu pour les
pour les Français. Bon voilà, c'est un petit boule de nouilles. Ah. C'est quoi qu'il faut prendre alors? On n'a pas de sèche bébé. Alors on l'a laissé là, petit. Hein? Si, c'est quoi qu'il faut prendre? Il faut prendre un. Menton là? Ouais. Menton, porc du Pignodal. Menton, porc du Pignodal, ouais. C'est ça, d'après mon expérience. Et voilà, c'est arrivé. Les nouilles sont là. Les nouilles sont là, Titi. Les nouilles sont là. T'as l'air bon. Attaque, vas-y. Allez. Dis-moi ce que t'en penses. Je vais goûter le dumpling. C'est bon ? Le dumpling, c'est bien. Mais c'est toujours bouillant. Ah, dedans ? Ah, bah le jus dedans est bouillant, toujours. Ils n'ont pas trouvé la solution pour les auto-réfrigérer. C'est sûr. C'est bon ? Bah, cool. Bon, allez, bon appétit, j'ai hâte. Timéo, il va goûter le bouillon des pâtes. Tu l'as perturbé. Oh, il y a ça. C'est bon. C'est bon. Encore. Encore. Regarde comme il ouvre le bec. Oh, il est bon ce bouillon. Maman. Ça te plaît, hein? Oh, c'est fini maintenant. Stop. Hein. Stop. Hein. Changes. De 2 heures à cause de pluie. Nous voilà repartis. On a décidé d'aller au Yao Ma Tei. C'est un marché de nuit, bazar en tout genre. Donc vous trouvez à peu près tout et n'importe quoi. Des CD, des gadgets, d'artisanat. On va faire un petit tour là-bas de 18h à 20h. Et à 20h, rendez-vous pour le feu d'artifice sur le port. Le feu d'artifice pour Nouvel An chinois. Donc en espérant que ça se passe bien. Donc voilà. En route.